Jean-Claude Junin, auteur, mais également organisateur de différents salons du livre, vient de se lancer dans le monde de l'édition en créant les éditions Riquetti. Son but, défendre les jeunes auteurs. Que ce soit un écrit que l'on diffuse, que l'on crée ou qu'on événementiel, mon objectif est la défense du livre. Vous aimez les livres ? Ah, complètement. Plus que les auteurs ? Ah oui, tout à fait. Les auteurs sont insupportables. Je n'aime pas les auteurs. Peut-on aimer les livres et détester les auteurs en même temps ? C'est préférable. Bon. C'est préférable. Si on veut défendre leurs livres, il vaut mieux ne pas aimer les auteurs. Il y a également le système qui fait qu'il y a de plus en plus d'auteurs. Il y a encore 15 ans, quand quelqu'un voulait éditer un livre, s'il n'avait pas la chance de trouver un grand éditeur parisien, même si le terme de parisien englobe est un terme générique, il avait pour seule solution le compte d'auteur. Et le compte d'auteur, il y a 15 ans, quand le numérique n'existait pas, c'était imprimé en offset. Imprimé en offset, c'était 3000 exemplaires. Donc un investissement tellement considérable que les gens ne pouvaient pas se permettre ne pouvaient pas se permettre d'éditer. Aujourd'hui, avec le numérique, on peut sortir des livres à 100, 150 exemplaires. Donc ça permet à 60 000 personnes par an de pouvoir publier leurs livres. Alors, il y a un problème de distribution qui se bien pose, sûr. Et il y a un malaise chez les libraires, qui sont là pour vendre des livres, mais certains sont des boutiquiers. Vous rentrez, vous demandez le livre de monsieur Untel, on vous le donne, on ne vous le donne pas. C'est leur métier. On sait très bien, s'ils ne l'ont pas, ils le commandent. Par contre, si c'est des grands auteurs connus sur le plan national, alors là, il y a tout ce qu'on veut. Non, mais c'est logique. C'est logique parce qu'il ne faut pas oublier que la marge d'un libraire aujourd'hui, c'est 30%. Donc 30% sur un bouquin, c'est-à-dire qu'il va toucher entre 4 et 6 euros. Avec ça, il va falloir qu'il paye ses charges, ses impôts, son personnel, son loyer. Donc comment voulez-vous aujourd'hui qu'un libraire s'en sorte ? C'est pas possible. Dans le système actuel, donc le libraire, il n'a pas le choix. Il va vendre du Rousseau, il va vendre du Lévy, parce que c'est ce qui va lui permettre de payer ses charges. Et obligatoirement, il ne pourra pas se permettre de passer 20 minutes pour convaincre une personne d'acheter le petit auteur local. C'est pour ça qu'il faut revoir complètement le système de distribution actuel. Le système de distribution actuel aujourd'hui, vous prenez un bouquin, allez, 20 euros, 30% pour le libraire, il reste donc 14 euros. Le dessus, si l'auteur a de la chance, il va toucher 10%, on va arrondir 1,50 €, il reste 12,50 €. Là-dessus, 15% pour le diffuseur, 10% pour le distributeur, obligatoirement. Ce n'est pas toujours le cas. Certains éditeurs n'ont pas de distributeur et ce sont les auteurs eux-mêmes qui assurent la mise en place chez les libraires. Ah, si c'est lui qui fait le boulot de l'éditeur, pourquoi il passe par un éditeur ? Aucun intérêt. Si c'est lui qui fait le boulot. Ceci étant, certains jeunes auteurs se laissent parfois séduire par des contrats à compte d'auteur, souvent onéreux et qui ne rapportent pratiquement rien. L'auteur, je compare une baguette de pain. Vous allez acheter votre baguette de pain le matin, de toute façon, un lit, c'est jamais que de la nourriture. Hein ? Une autre nourriture, mais c'est une nourriture également indispensable. Vous prenez votre baguette de pain, sans blé, vous ne faites pas de pain. Et pourtant, la part prix payé pour le blé dans la baguette est proportionnel à la part payée à l'auteur dans un bouquin. Or, sans cultivateur, au départ, pas de blé, sans auteur, pas de bouquin. C'est pour ça qu'il faut revoir complètement le système de distribution qui existe aujourd'hui. Il y a quand même un grand malaise actuellement. Comment expliquez-vous que certains libraires ne sont même pas au courant des livres qui sont en diffusion, en parution? Comment expliquez-vous qu'on ne vend plus Bazin, qu'on ne vend plus Nourricier? Non, mais c'est logique, logique. Des grands auteurs qui ont disparu de la circulation, et lorsque vous demandez... On ne lit plus Mauroy, on ne lit plus... Oui. C'est fini. Mais c'est normal. Alors tous ces grands auteurs, ils ont disparu, on n'en parle plus? Non, ils reviendront. Ils reviendront un jour, mais on est dans une société de consommation. Donc aujourd'hui, vous avez un auteur dont les droits sont tombés dans le domaine public, pourquoi se battre pour lui? Pourquoi se battre sur lui? L'éditeur, s'il va se battre pour un éditeur qu'il a bien phagocyté, qu'il a bien enchaîné, hein, avec lequel il a un contrat
où il est sûr d'avoir une exclusivité sur laquelle il va gagner de l'argent. Et le petit éditeur, le petit auteur local, avant de faire sa place, il va se battre. Alors vous, justement, vous arrivez dans le monde de l'édition, vous n'avez pas peur de vous fermer certaines portes? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci parce que, d'abord, il n'y a pas de monopole. À part les relais H, les librairies sont indépendantes, même les très grandes librairies. Et elles sont obligées de travailler avec un panel d'éditeurs le plus large possible pour offrir le choix. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là.